Avant de définir une oscillation harmonique, voici quelques rappels concernant le MCU, le mouvement circulaire uniforme. Ce point P se trouve en mouvement circulaire uniforme. Un mouvement est circulaire et uniforme si le mobile parcourt sur une circonférence des arcs de cercle de même longueur en des intervalles de temps égaux. Si le point P parcourt cet arc de circonférence pendant le temps delta t, alors pendant le même temps delta t, le point P parcourt cet arc de circonférence qui a nécessairement la même longueur que celui-là, parce que ce temps delta t est le même que celui-là. Par conséquent, un mouvement circulaire uniforme est un mouvement périodique dont la période grand T est la durée d'un tour complet. Et nous avons cette formule-là, la vitesse linéaire du mobile est égale à la longueur de l'arc de circonférence parcouru divisé par le temps petit t nécessaire pour parcourir cet arc de circonférence. Donc la vitesse linéaire est aussi égale au périmètre du cercle entier, c'est-à-dire 2π fois le rayon, divisé par le temps nécessaire pour parcourir un cercle entier, c'est-à-dire divisé par la période grand T. Bien sûr, nous exprimons une vitesse en mètres par seconde. La fréquence d'un MCU, c'est l'inverse de la période, et par conséquent, la fréquence s'exprime en Hertz. La vitesse angulaire oméga est égale à l'angle parcouru alpha divisé par le temps petit t nécessaire pour parcourir cet angle alpha. Et comme c'est un MCU, la vitesse angulaire doit aussi être égale à l'angle complet 2π divisé par le temps nécessaire pour parcourir cet angle complet, c'est-à-dire divisé par la période grand T. Et comme F est égal à 1 sur grand T, nous pouvons en déduire que oméga est aussi égal à 2π fois la fréquence 2π F. Le voilà, ce point P qui se trouve en mouvement circulaire uniforme. Nous fixons les temps comme ceci. À l'instant T égale 0, le point P a déjà parcouru cet angle φ. Et pendant ce temps T, le point P a parcouru cet angle alpha. Nous allons maintenant décomposer le mouvement du point P en deux oscillations rectilignes. Et pour cela, nous avons besoin d'un système de référence. Le voilà. Dans ce système de référence, l'abscisse X du point P se trouve ici et l'ordonnée Y du point P se trouve ici. L'abscisse ainsi que l'ordonnée du point P sont des fonctions du temps puisqu'elles varient au cours du temps. Pour mieux voir, je vais sortir abscisse et ordonnée du cercle. Nous observons deux oscillations rectilignes, le x en fonction du temps et le y en fonction du temps. Nous allons maintenant travailler dans ce triangle rectangle. Dans ce triangle rectangle, le cosinus de l'angle phi plus alpha, ou encore le cosinus de alpha plus phi, est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc le cosinus de alpha plus phi est égal à x divisé par le rayon de la circonférence. De cette égalité-là, nous déduisons que x est égal à r fois le cosinus de alpha plus phi. Nous savons aussi
que la vitesse angulaire oméga est égale à cet angle alpha divisé par ce temps t. De là, nous déduisons que alpha est égal à oméga fois t. Et donc là, nous pouvons remplacer le alpha par oméga fois t, et ainsi nous avons trouvé que x en fonction du temps est égal à r fois le cosinus de oméga t plus phi. Nous retravaillons dans ce triangle rectangle, cette fois-ci avec le sinus de alpha plus phi. Le sinus de alpha plus phi est égal au côté opposé, c'est-à-dire y, divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire le rayon. Donc, le sinus de alpha plus phi est égal à y divisé par r, dont nous déduisons que y est égal à r fois le sinus de alpha plus phi. Mais comme là-haut, oméga étant égal à alpha sur t, nous pouvons en déduire que alpha est égal à oméga fois t, et donc ici, nous pouvons remplacer le alpha par oméga fois t. C'est ainsi que nous obtenons que le y de t est égal à r fois le sinus de oméga t plus phi. Observons encore une fois ces deux oscillations, x égale x de t et y égale y de t. Nous pouvons donc exprimer cette oscillation x de t par r fois cosinus de oméga t plus phi, et nous pouvons exprimer cette oscillation y de t par r sinus de oméga t plus phi. Une oscillation s'appelle harmonique si elle peut être décrite par une équation du type x de t est égal à a fois cosinus de oméga t plus phi, ou bien y de t est égal à a fois sinus de oméga t plus phi. X, ou aussi y, est l'élongation de l'oscillation. Le grand A s'appelle amplitude. Dans nos exemples, l'amplitude, c'est donc le rayon de la circonférence. Le oméga, c'est la pulsation, et le phi, c'est la phase de l'oscillation harmonique. Et dans ce cas, nous avons oméga, la pulsation, est égale à 2 pi divisé par la période de l'oscillation grand T. Et par conséquent, nous exprimons oméga en hertz. Si nous représentons par exemple cette fonction y comme fonction du temps, alors nous obtenons bien sûr une telle sinusoïde. Le temps est exprimé en secondes et l'élongation y est exprimée en mètres. Puisque la plus grande valeur pour un sinus c'est 1, la plus grande valeur pour y c'est a fois 1, c'est-à-dire a. Et par conséquent, l'amplitude A peut être lue comme l'ordonnée de ce maximum. Donc c'est ce nombre-là qui est égal à l'amplitude A de l'oscillation. Comme la période, c'est la durée entre deux points identiques successifs, la période grand T, c'est le temps qui s'écoule de là jusque là. Nous allons analyser la fonction y de t, c'est-à-dire a fois sinus de oméga t plus phi, selon la variation des trois paramètres a, oméga et phi. Commençons par la sinusoïde la plus simple. Ça, c'est le graphique de la fonction y est égal à sinus de t. Et la période de cette fonction, c'est 2 pi. Observons maintenant l'amplitude A. Pour cette sinusoïde-ci, l'amplitude, c'est bien sûr l'ordonnée de ce point-là. Regardons ce qui se passe lorsque A varie. Donc, l'ordonnée d'un tel maximum, c'est l'amplitude de l'oscillation, et cette abscisse, c'est un quart de 2 pi. Pourquoi? De là jusque là, c'est 2 pi, donc de là jusque là, c'est la moitié de 2 pi, c'est-à-dire pi,
et par conséquent de là jusque là, c'est la moitié de ce pi, c'est-à-dire pi demi. Regardons maintenant l'influence sur le graphique de oméga. Ici, oméga vaut 1. Je fais varier oméga et nous voyons dans le dessin ce que ça a comme effet. Maintenant, je mets par exemple le oméga sur 2. La période de cette oscillation-là, en lila, c'est de là jusque là. Donc ici, c'est pi. Donc de là jusque là, c'est encore une fois pi, ce qui signifie que la période de cette oscillation-là, c'est la moitié de 2pi, donc 2pi divisé par 2, c'est-à-dire pi. Maintenant, je mets oméga sur 3. Voilà, regardons la période de cette fonction-là. Une fois, donc de là jusque là, c'est la période. Une deuxième fois et une troisième fois jusque 2pi. Donc, la période de ce mouvement-là, c'est automatiquement 2pi divisé par ce 3. En général, nous pouvons donc dire que la période d'une oscillation harmonique, c'est toujours 2pi divisé par oméga, ce qui confirme la formule oméga est égale à 2pi sur t. Voilà, je vais remettre le oméga sur 1. Maintenant, nous regardons l'influence de la phase phi. Lorsque phi varie, alors le graphique est simplement translaté horizontalement. Maintenant, on va regarder les trois ensemble. Regardons l'influence sur cette sinusoïde de A. Regardons l'influence de oméga. Et regardons l'influence de phi.